les bienfaits de l'ail rôti. Bonjour et bienvenue sur votre canal de santé et du bien-être au 100% naturel. Je m'appelle Suzanne, j'espère que vous allez bien et même si ça ne va pas, ça va aller. Si les sujets de santé vous intéressent, abonnez-vous à notre chaîne YouTube au cœur du bien-être. Surtout, activez toutes vos notifications pour ne manquer aucune des 3 à 4 vidéos minimum que nous partageons chaque jour. Aujourd'hui, nous allons parler des avantages de manger l'ail rôti. L'ail rôti offre à votre corps d'innombrables bienfaits. Alors je vous invite à profiter de cette vidéo pour la découvrir, car vous êtes nombreux à ne pas supporter l'odeur forte de l'ail cru. Nous avons une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui en ce qui concerne la consommation de l'ail rôti. La consommation d'ail peut vous procurer de nombreux bienfaits pour la santé, ce qui est hautement nutritif. L'ail est reconnu pour sa capacité à traiter et à prévenir de nombreuses maladies. L'ail se présente sous forme d'un bulbe. Et chaque bulbe contient entre 10 à 20 gousses. Vous pouvez consommer également 6 clous de girofle pour soigner votre corps et seulement 24 heures. Et en seulement 24 heures. Le composé actif dans l'ail est connu sous le nom de l'allicine, un composé organosoufré. L'allicine est le principal ingrédient responsable de l'activité antibactérienne à large spectre de l'ail. C'est incroyable ce qui arrive à votre corps en seulement 24 heures après avoir consommé de l'ail rôti. L'ail a été utilisé dans le traitement des maladies pendant des siècles. Les études et les médecines modernes ont découvert de nombreuses propriétés et utilisations saines de l'ail que plusieurs ne connaissent pas. Lorsque nous mangeons 6 gousses d'ail rôti, la meilleure partie des puissants avantages curatifs de l'ail sont qu'ils agissent. Au bout de 24 heures, vous avez déjà des très bons résultats. La première heure, le composé d'allicine pénètre dans votre corps par le tube digestif et se déplace dans tout le corps. Cela se produit dans la première heure après avoir consommé l'ail. 2 à 4 heures, les composés présents dans l'ail commencent à détruire les cellules cancéreuses. Selon le National Cancer Institute, les effets protecteurs de l'ail contre le cancer peuvent provenir de ses propriétés antibactériennes ou de sa capacité à neutraliser les cellules cancéreuses, bloquer la formation des substances cancérigènes, réduire la prolifération cellulaire, améliore la réparation de l'ADN ou induit la mort cellulaire des cellules cancéreuses. 4 à 6 heures après l'ingestion d'ail, votre métabolisme commence à reconnaître les propriétés utiles et aide à éliminer les excès de graisse et de liquide. L'ail fait cela parce qu'il donne un coup de pouce à vos cellules et aide à augmenter le nombre de lymphocytes T qui combattent le virus dans votre circulation sanguine. 6 à 10 heures après l'ingestion, l'ail produit des effets au niveau cellulaire. Des chercheurs ont découvert des avantages de consommer correctement l'ail. Certains composés soufrés organiques dans l'ail ont été trouvés pour tuer les cellules cancéreuses dans le cerveau sans perturber les cellules saines. 10 à 24 heures après l'ingestion d'ail, vous remarquez au niveau de votre corps d'innombrables avantages de cette consommation d'ail. Une réduction du mauvais cholestérol, un renforcement du système immunitaire, une amélioration de la performance sportive et augmentation de la solidité des os. Comment préparer l'ail rôti? Vous pouvez réaliser cette recette au four si vous désirez. C'est-à-dire que vous allez très bien étaler celle-ci. Vous allez préchauffer au four à 400 degrés pendant 5 à 10 minutes au maximum. Mais si vous avez la possibilité de consommer l'ail cru, je vous le recommande vivement. Car plus vous consommez l'ail cru, mieux vous allez obtenir des très bons résultats. Mais s'il arrive que vous avez l'estomac fragile et que vous ne pouvez pas supporter l'odeur de l'ail cru, vous pouvez toujours associer ceci dans vos légumes, dans vos salades, dans vos aliments, pour toujours continuer à bénéficier de ces bienfaits. Car quand vous l'avez haché à l'état cru, elle libère l'allicine qui est son puissant élément fort.
Ceci vous donne donc la possibilité de l'eau consommée crue et de bénéficier pleinement de ses bienfaits. Mais je répète encore, si vous ne pouvez pas et que vous avez l'estomac fragile, vous pouvez le consommer rôti. C'est tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, likez, commentez, surtout partagez au maximum avec les amis, la famille. Et si vous voulez continuer à voir plein de vidéos sur notre chaîne YouTube Au Cœur du Bien-être, n'hésitez pas de vous abonner, surtout d'activer toutes vos notifications. Cling, clang, cling, cling, cling. Ce n'est que de cette façon que vous n'allez manquer aucune des 3 à 4 vidéos minimum que nous partageons chaque jour. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo comme d'habitude. Bisous, bisous. Bye bye.